5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et donc, départ immédiat pour Trap. Il y a un robot qui est capable de rouler en crabe, on dirait. Là, il est capable de rouler dans plusieurs directions. Il n'a pas besoin de se retourner pour avancer. Du côté du robot de l'EPF Robotique, on assure le point en avant poussé le lingot. Alors, Arash a déjà posé deux bouteilles à la mer. Alors, Arthur, parce que le PF robotique, donc c'est l'école polytechnique féminine, même s'il y a plus beaucoup de filles dans cette école-là. Et d'autre côté, c'est le crap ou devient tout le crap? Je te pose la question. Je n'en sais rien. Alors, on va leur demander. Le crap, vous venez d'où? Grenoble. D'accord, c'est Grenoble. C'est une école. C'est l'école des gens qui travaillent un peu à l'Adria. Non, pas du tout. Si, un petit peu quand même. Hein. L'Institut National de Recherche en Informatique et Automatisme, de mémoire. Le match vient de se terminer, le dot, enfin, point dot a rencontré sur Fadeg. Et malheureusement, pour le point dot, on flirte avec le forfait puisque les deux robots n'ont pas pu démarrer et sortir de cette zone de départ. Allez, dans quelques instants, on va pouvoir jouer Arialis. On va rencontrer Arfit, parce qu'on a déjà vu Arialis 2. Non, c'est Arialis tout court. C'est bon? Tu vois bien? Ouais? Je vois bien. C'est des muscles, c'est incroyable. Donc, vous êtes de tour, ce que je dis. Et c'est encore Polytechnique et Arialis, vous venez de nous. Aussi Polytechnique, lequel? Hein? Pas les zones. Oui? De l'historique polytechnique et de Palaiso. Nous accueille souvent pour faire des concours au sein robotique de trophées jadis. Mesdames et messieurs, 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti!